J'ai commencé la mandoline à Argenteuil, ville d'où je suis natif, parce qu'il y avait la première classe de mandoline en France dans un conservatoire. Et mon institutrice de cours préparatoire jouait de la guitare dans un orchestre de mandoline et de guitare. Et j'ai commencé ainsi. La mandoline m'est apparue comme un instrument intéressant professionnellement lorsque j'ai commencé à jouer à l'Opéra de Paris à l'âge de 16 ans. J'ai découvert un monde fascinant, celui de l'opéra, de l'orchestre, de voir des musiciens qui passaient leur journée à travailler l'instrument et à en vivre. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans la mandoline. Alors, la mandoline a un répertoire italien, c'est son répertoire de base. Le répertoire le plus connu, ce sont les concertos de Vivaldi, bien sûr, mais aussi la sérénade de Don Giovanni dans l'opéra de Mozart. Mais la mandoline a un répertoire qui est plus vaste. C'est aussi l'instrument de la musique de l'ère moderne, c'est-à-dire à la seconde école de Vienne, un peu avant Gustave Mahler. Et donc c'est un instrument aussi qui a, j'allais dire, participé au renouvellement du langage musical avec le dodécaphonisme, un peu avant la tonalité. Voilà, donc c'est un instrument, je crois, qui a de multiples facettes, de Vivaldi jusqu'à aussi aujourd'hui, une création contemporaine très importante. Les concertos de Vivaldi sont des œuvres écrites pour des formations réduites. Par exemple, le concerto RV 93 en ré majeur, qui est très connu avec pour son l'argot notamment, est un concerto où il n'y a que deux parties de violon et une partie de basse continue. Donc c'est très léger, mais je crois qu'avec Rinaldo Alessandrini à la baguette, voilà, ça va être un travail idéal et exceptionnel pour moi de pouvoir travailler ce répertoire avec ce spécialiste du baroque italien. Par rapport au concerto en do majeur, c'est un concerto d'un style un peu plus brillant, peut-être plus virtuose d'une certaine façon, un peu moins harmonique. Et c'est un concerto qui est très connu pour avoir été dans des musiques de films comme Kramer contre Kramer, par exemple, mais aussi des publicités. Moi, je l'entends très souvent au journal télévisé, par exemple. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir plusieurs tubes du répertoire avec des concertos de Vivaldi qui sont des œuvres magnifiques.